What time this is? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 2:45. Yes. Do you know what country the Great Wall of China is in? Country? Yeah. If you had to guess. Japanese? Yes. Do you know what 15% of 100 is? Fuck. Around what it is, if you had to guess. Probably like 75. I don't know. Yes. Si vous allez sur YouTube et que vous écrivez Gen Z pour Génération Z dans la barre de recherche, vous allez tomber sur des dizaines de vidéos au constat alarmant qui effraie beaucoup. Dans celle-ci, on voit des jeunes interviewés incapables de citer trois pays différents, de dire l'heure, de faire des calculs très basiques. Dans d'autres, des gens qui bien souvent font eux-mêmes partie de la Génération Z témoignent souvent avec un certain humour qui cache un certain désespoir de la débilité, du narcissisme, de l'égocentrisme de leurs congénères qui seraient inhérents à la Génération Z. Mais est-ce bien vrai? Pour commencer, définissons ce qu'est la Gen Z ou Génération Z. Le terme de génération est assez flou, mais ici nous allons dire qu'il se rapporte à des espaces temporels distincts dans lesquels les gens naissent et grandissent. Ici, la Génération Z, ce sont les jeunes né après l'an 2000 et jusqu'en 2010, même si évidemment il y a beaucoup de différences entre un 2000 et un 2010. Et pour ce qui est des encore plus jeunes nés après la génération Z, on les appelle la génération Alpha. Ils seront peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais alors, retournons à nos résultats de recherche. Il semblerait bien qu'il y ait un embargo en ligne contre la génération Z, où par pur pessimisme, les gens dressent la liste des caractéristiques des choses qui ruinent la génération Z, voire vont directement le démontrer sur le terrain. Culture du narcissisme et de l'hypersexualisation avec TikTok et Instagram, capacité mentale et de concentration à zéro, drogue et alcool, notamment avec les vapes, les vapoteuses, qui font de plus en plus rage. Difficile de leur donner tort, à vrai dire, ce sont des fléaux qui existent et qui se répandent de plus en plus. Les conflits intergénérationnels existent depuis toujours. La vieille génération dénigrant la jeune génération car elle veut changer le monde bâti par l'ancienne génération. Mais ici, dans le cas de la génération Z, quelque chose change. Quelque chose qu'on ne retrouve pas aussi souvent dans les conflits intergénérationnels. Une bonne partie, pas une majorité, mais une partie notable, des membres de la génération Z détestent leur propre génération. Ils ressentent un gros malaise en voyant le comportement de leurs congénères et s'en détachent activement. Comme si la génération Z avait un truc en plus, une spécificité énorme. Il y a quelque chose qui, à l'aube de l'an 2000, a tellement changé le monde et la manière de grandir dans celui-ci que la génération Z, première génération à naître avec, sans connaissance ni expérience du monde d'avant, porte cette caractéristique unique, extrêmement lourde, qui semble l'avoir condamnée à la ruine. Mais qu'est-ce que c'est ? La technologie. Quand je dis technologie, je parle de la démocratisation de celle-ci, le fait que chaque foyer a accès à Internet, que les ordinateurs ne soient plus que des outils de travail, mais aussi des outils de divertissement, l'arrivée des réseaux sociaux, les jeux vidéo de plus en plus longs et addictifs, et la télévision, toujours plus grande et attirante. C'est vraiment arrivé au moment de l'arrivée de la génération Z. Si vous êtes un membre de la génération Z, comme moi, nous faisons partie de la première génération à n'avoir jamais fait l'expérience de la société d'avant Internet et de ce boom technologique. Et je ne fais pas genre, il y a en effet des gens plus vieux, comme les millennials, nés avant la génération Z, qui sont tout aussi zinzin. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai ressenti un certain malaise en voyant mes potes ou des inconnus comme des zombies sur leur GSM. J'ai quelques anecdotes pour expliquer. Chaque matin fut un temps, en allant au lycée, qui en Belgique est une école secondaire, donc un collège et un lycée en même temps, j'allais regarder les premières années, c'est-à-dire pour les Français, les sixièmes, ceux qui viennent d'entrer au collège, ce sont des gamins de 11-12 ans. Chaque matin, j'allais les regarder, je traînais avec eux, et dans un petit couloir, tous les jours,
il y avait vraiment une trentaine de gamins, tous sur TikTok, ou Instagram, ou Brawl Stars, assis les uns sur les autres. Personne n'a d'écouteurs, donc il y avait une cacophonie difficile à décrire. Imaginez 30 chansons différentes en même temps, accompagnées de cris de préadolescents, et personne ne se parle normalement ou ne sort profiter d'un peu d'air frais avant le début des cours. Non, à la place, ils se shootent à grands coups de dopamine pour bien baiser leur concentration avant les cours. J'ai un autre exemple. En promenade avec ma grand-mère, je dus m'arrêter à la maison d'une de ses collègues, le temps pour elle de boire un café et de discuter. Moi, je m'en fous complètement, et je décide d'aller voir le fils de cette collègue qu'on va appeler Enzo, et qui avait au moment des faits 11 ans. Enzo est dans sa chambre. Sa chambre est grande, mais assez vide. Un meuble avec une grosse télévision, un lit, un tapis, une garde-robe et deux bacs à jouer. C'est tout. Enzo joue à un jeu vidéo. Il s'agit du jeu RP Roblox, dans lequel on peut s'échapper de prison. Je connais pas. Je m'assois à côté de lui, mais les tentatives de discussion n'aboutissent pas. À un moment, Enzo ne touche plus à sa manette. Il la dépose. À la place, il sort son iPad. iPad qui est dégueulasse, sur lequel il regarde la dernière vidéo de Neo S1. C'est un opening de jouet. Puis juste après, il sort son téléphone pour faire des games sur une vieille contrefaçon mobile de Counter-Strike tout en regardant la vidéo de Neo S1. 11 ans et 3 écrans en simultané. Tout va bien. Enzo est ce qu'on appelle un iPad Kids. Je vous laisse en juger. Tout ça sans détailler les pauses de midi avec mes amis, où personne ne causait car tout le monde était sur TikTok, jusqu'au moment où l'un d'eux décide de montrer une vidéo drôle sur son tel à tout le monde, avant de retourner au milkshake mental. Je vous juge ! À chaque fois que vous le faites, je vous juge ! Pour résumer, la génération Z n'a que peu de repères hors du monde technologique, et les baigner dedans depuis toujours. Maintenant, reprenez ces vidéos contre génération Z, dont je parlais au début de la vidéo, qui dénoncent l'égoïsme, le narcissisme, les comportements débiles, la dépendance à la mode, l'inculture générale, les comportements antisociaux, l'hypersexualisation, et celles qui vont plus loin et parlent des problèmes de santé mentale dont souffre cette génération. Dépression, anxiété, crise du sens. Maintenant, prenez les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télévision, le fait que des millions de gosses ont grandi un iPhone ou une manette à la main, et nous avons la réponse à notre question de départ. Je sais que ce ne sont pas les seules causes expliquant ce cirque. De très loin, ce ne sont pas les seules. Mais voilà ce qui arrive quand on développe une dépendance au monde digital, à la dopamine rapide, et qu'on grandit dedans, qu'on se façonne selon elle. Remontez 3 ans en arrière, nous sommes en 2020, et c'est le grand confinement. Pendant 3 mois, voire 5 mois, en comptant les vacances d'été, des milliards de personnes étaient renfermées chez elles. Des petits, des enfants, des adolescents en pleine construction, et des adultes. Tous ne peuvent rien faire à l'extérieur, sinon en outrepassant les mesures d'urgence. Les magasins et centres de loisirs étaient fermés, les lieux de socialisation l'étaient aussi. Alors, comme la majorité des gens n'ont pas toujours quelque chose à faire chez eux, et que le développement personnel est difficile dans ces conditions, il ne restait que les écrans pour se distraire. Pendant des mois, des dizaines de millions de personnes ont carburé à TikTok, Instagram, Fortnite, Twitter, Discord, YouTube, Twitch, et n'ont pas pu sortir profiter du bon temps. Imaginez les conséquences, imaginez la calamité. À vrai dire, il n'y a pas besoin d'imaginer. Les chiffres et les statistiques sur la santé mentale, l'utilisation du numérique, les chiffres scolaires et la façon dont le monde a changé parlent depuis. Donc, une sale tendance qui était en train de pourrir une génération s'est en plus fait booster, et on ne s'en rend peut-être pas assez compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai fait mon exposé, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on change les choses. Mais n'imaginez pas que ce sera un changement global. Vous avez bien vu que quelques gouvernements ont en vain essayé d'interdire TikTok, mais pas YouTube Short ou Instagram Reels. Ils s'en foutent complètement. La seule chose qui les ennuie, c'est la bataille économique avec la Chine. Non, face à ce phénomène où tout semble vouloir réduire la personne à un simple consommateur écervelé, face à la réduction, au fait de l'augmentation, du développement personnel. On veut vous rendre débile ? Cultivez-vous, méditez. On veut vous rendre faible ? Faites du sport, boxe, muscu, dépassez-vous. On veut utiliser votre corps dans tous les sens du terme.
Protégez-vous, utilisez votre mental. Le monde moderne vous rend malade. Rendez-vous là où l'homme n'a pas défiguré le paysage. Vous vous sentez seul. Formez des communautés unies, où tout le monde compte et où on s'en pousse les uns les autres, loin de la négativité ambiante. C'est sûr que face à la taille du problème, ce que je dis ici semble difficile. Mais ce n'est pas impossible. En quelques mois, vous êtes capable de réparer votre vie pour les années à venir et d'arriver à des sommets que vous n'avez jamais imaginés. Vous avez une vie. Ce serait dommage de ne jamais les escalader. Alors, je ne sais pas si j'aurais dû le préciser plus tôt, mais évidemment que toute la génération Z n'est pas composée de cas sociaux, et que les cas les plus extrêmes représentent une minorité. Chaque génération a eu son lot de conneries et d'erreurs collectives, mais il est important de noter qu'il y a une lourde complaisance avec ce cirque, et que nous en souffrons tous à un certain degré. Il y a des gens très bien, très conscients et très bons qui font partie de la génération Z, et qui seront amenés à faire de grandes choses plus tard. Mais ne vous croyez pas immunisé simplement parce que vous avez conscience du problème. Nous avons tous une partie obscure en nous qui attend le bon moment pour surgir. On ne pourra jamais la tuer, mais on peut apprendre à la contrôler. Cette vidéo est désormais terminée. Elle était peut-être un peu plus spéciale, un peu plus pessimiste, mais maintenant que nous avons conscience de ce bordel, c'est le moment de passer à l'action. Pour ça, je vous retrouve dans de futures vidéos. Alors, likez, commentez, partagez pour le référencement et abonnez-vous !